Je désire tant te voir dans ta gloire. Envoie ton esprit. Libère-nous dans ta vie. Ta parole ne promet que la gloire. L'avenir sera plus grand. Nous voulons accomplir tes œuvres. Alors, Père, envoie-nous ton esprit. Et pour la cause de Jésus, accueille ton à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Sonnez de la trompette en Sion et publiez une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, les enfants et même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa demeure. Dites,
Éternel, épargne ton peuple. L'Éternel répond et il dit : Voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous serez rassasiés. J'éloignerai de vous l'ennemi. Lève, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Les plaines du désert revertiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin. Il remplacera les années qu'on dévorait la sauterelle. Vous mangerez et célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Vous ne serez plus jamais dans la confusion.